Ce samedi 23 mars, Judith Godrèche fête ses 52 ans. À cette occasion, sa fille de 18 ans, Tess Barthélémy, lui a adressé un tendre message dans lequel elle salue le courage de sa mère. Son plus cadeau, Judith Godrèche l'a peut-être reçu le 23 février dernier lors de la cérémonie des Césars. Toute la curieuse famille du cinéma, présente à l'Olympia ce soir-là, s'est levée pour acclamer celle qui dénonçait depuis plusieurs semaines les agissements supposés des réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doyon. Elle a porté plainte pour viol sur mineur contre ces deux hommes qui démentent les faits et restent présumés innocents avant tout jugement. Le courage de cette femme en a touché beaucoup d'autres. Parmi elles, sa propre fille, Tess, 18 ans, née de son histoire d'amour avec le réalisateur Maurice Barthélémy. Happy birthday to my courageous maman, a-t-elle écrit en anglais en story Instagram ce samedi 23 mars. Ce message, qui signifie en français joyeux anniversaire à ma courageuse maman, a été relayé sur le même réseau social par l'actrice qui fête ses 52 ans. Ce petit texte accompagnait une magnifique photo sur laquelle Judith Godrèche posait avec celle qui était encore un bébé. Ça me rend fier parce que je trouve ça tellement important que la série soit vue par des filles de mon âge, par des garçons de mon âge. Avait confié la jeune fille de l'actrice dans une interview accordée à Marie-Claire début février à l'occasion de la sortie de la série Icon of French Cinema diffusée sur Arte et dans laquelle elle joue. Elle avait déjà parlé quand j'avais 12 ans et que j'étais au collège, avait poursuivi la jeune femme, précisant que c'était au début du mouvement MeToo avec l'affaire Harvey Weinstein. Judith Godrèche a brisé le silence pour protéger sa fille et la nouvelle génération. C'était très important pour moi de raconter cette histoire pour les générations à venir, pour ma fille, pour ses copines, pour les jeunes femmes, avait expliqué fin janvier Judith Godrèche dans une interview accordée à Brut. Je pense que tu as tellement minimisé ton passé et ton histoire que d'une certaine manière la série était un peu comme une meilleure amie qui te dit. Eh, hey, regarde, il y a un souci quoi ? Lui avait lancé Tess au cours du même entretien. C'est l'idée que sa propre fille puisse un jour se retrouver à sa place et vivre ce qu'elle a vécu de façon traumatisante qui était impossible pour elle à envisager. C'est donc en grande partie grâce à Tess et l'électrochoc que cela a provoqué en elle que Judith Godrèche a fini par parler.